Quel est le repas le plus important de la journée? Quel est le repas à ne surtout pas sauter? Ce sont les deux questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant du poids qui vous pèse. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Pour commencer, je vous invite à répondre à ces deux questions. Première question à vous poser. Selon vous, quel est le repas le plus important de la journée? Deuxième question à vous poser. Selon vous, quel est le repas à ne surtout pas sauter? Pourquoi je vous invite à vous poser ces questions? Car vous seul avez votre réponse, celle qui vous correspond, qui correspond à vos besoins. Il y a autant de bonnes réponses que d'humains sur notre planète Terre. Je vais tout de même vous répondre et vous faire part de ma manière d'envisager les réponses à ces questions. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est un repas. Selon le dictionnaire Larousse, un repas c'est, premièrement, une ration, quantité d'aliments pris en une fois, selon un rythme régulier pour assurer sa vie. Deuxième proposition de définition du Larousse, action de se nourrir en absorbant cette ration. Troisième proposition, ensemble de plats servis selon les usages, à telle heure, déjeuner ou dîner, ou pour une circonstance particulière, exemple, un repas de noces. On voit ici qu'avec la première et la troisième définition, il est un peu compliqué de définir de manière précise et universelle ce qu'est un repas. On peut raisonnablement admettre que la ration mentionnée dépend de chaque individu et que l'on va avoir des différences significatives en fonction du sexe, de l'âge, du niveau de l'activité physique, de la taille et du poids. On peut également admettre qu'en fonction des usages propres à chaque pays, à chaque région du monde, à chaque famille, la composition du repas et les horaires varient. En France, on a une culture du repas très structurée et très timée à la minute près dans certaines familles. On peut observer généralement 3 à 4 prises alimentaires par jour, le petit déjeuner, déjeuner, le goûter et le dîner. Et hormis le petit déjeuner, les horaires de midi, 16h et 20h sont, à mon humble avis, largement vérifiables dans de nombreuses familles. On a d'ailleurs pris l'habitude de dire « c'est le 4h » en parlant du goûter qui se prend généralement à 16h. Globalement, au niveau de la structure du repas, la composition, nos repas français vont se composer de la manière suivante « entrée, plat, dessert ». Ce que je vous dis là, c'est bien entendu une généralité et je vous invite à observer vos propres habitudes. On peut quand même constater qu'en France, nous sommes attachés à nos horaires de repas. Dans d'autres pays, c'est tout autre chose. Le repas est désacralisé et on a plus de facilité à manger à n'importe quelle heure de la journée, pourvu que l'on ait faim et que l'on ait la possibilité de manger en fonction, bien entendu, de ses horaires de travail notamment. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec un couple franco-autrichien vivant en Autriche. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas la même manière de s'alimenter. Surtout le même rythme, en fait, au niveau de leur alimentation. Monsieur, français d'origine, est assez attaché à ses heures de repas, en lien avec son éducation. Et madame est plutôt du genre à écouter ses besoins et à manger quand elle a faim. Globalement, elle ne s'était même jamais trop posé la question puisqu'en Autriche, les heures de repas sont moins sacralisées qu'en France. En France, dans beaucoup d'entreprises, la pause de mi-journée s'étale souvent de midi à 13h, voire jusqu'à 14h, alors qu'en Autriche, il n'y a pas forcément d'horaire de pause prévu ou alors ce temps de pause est beaucoup plus court.
D'ailleurs, à l'école, comme ils ne travaillent que le matin, la classe se terminant en début d'après-midi, les enfants autrichiens mangent en rentrant chez eux en début d'après-midi, contrairement aux enfants français où la pause repas est généralement entre midi et 13h30 ou 14h. Après, ça dépend bien sûr des structures scolaires. Et je pense que l'on peut établir ainsi autant de rythmes de pays et de cultures. Est-ce que certains font mieux que d'autres? Je ne pense pas. Je pense que de regarder le repas de manière culturelle nous permet de dire que tout ce qui tourne autour du repas n'est qu'une question, in fine, d'habitude, de tradition, qui va se transmettre de génération en génération. La question, c'est: est-ce que ces habitudes vous conviennent? Si la réponse est oui, ne vous prenez plus la tête sur vos repas. Si la réponse est non, alors nous allons revenir aux deux questions que je vous ai posées initialement. Première question que je vous ai posée initialement, c'est: quel est le repas le plus important de la journée, selon vous? Mon petit doigt me dit que vous avez répondu le petit déjeuner. On a tellement entendu cette phrase, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, que beaucoup en ont fait une croyance à laquelle il ne faut surtout pas déroger sous peine de grossir ou d'avoir une baisse d'énergie dans la matinée et donc d'être moins productif dans son travail. Ce discours fait les choux gras des industriels du petit déjeuner qui ne vont surtout pas démentir cette croyance bien ancrée. En réalité, il n'y a aucun repas plus important que l'autre. Tout dépend de vos besoins et de votre rythme à vous. Deuxième question que je vous ai posée initialement, c'est: quel est le repas à ne surtout pas sauter? Ici encore, la réponse, ça sera qu'il n'y a aucun repas à ne surtout pas sauter. Il ne se passera rien de grave si vous sautez un repas, qui, ne l'oublions pas, dépend grandement de nos habitudes culturelles. Si vous sautez un repas car vous n'avez pas faim, vous respecterez tout simplement vos besoins et votre corps vous dira merci. Pour vous donner un exemple, je vais parler de moi, de mon rythme à moi. Pour moi, le repas le plus important de la journée, c'est généralement le repas du soir. En semaine, c'est le seul repas que je vais partager avec mon compagnon. Et il est pour moi essentiel. Il est pour moi essentiel de me mettre à table avec mon compagnon et de partager un repas avec mon compagnon. Donc naturellement, en fait, mon rythme alimentaire va s'adapter à ce repas. Et souvent, je n'ai pas souvent faim le matin. Après, ça dépend des matins. Et j'ai moyennement faim le midi. Mais je vais avoir tendance à avoir un peu plus faim le soir. Et c'est mon rythme, c'est le rythme qui me correspond. Et c'est OK, c'est le rythme dans lequel je me sens bien. Mon poids est stable et c'est un rythme dans lequel j'arrive à respecter mes sensations alimentaires. Et ce rythme, attention, il n'est pas défini, il n'est pas gravé dans le marbre. Vous avez vu, pour le petit déjeuner, j'ai un petit peu hésité sur ma réponse parce qu'en fait, c'est un jour oui, un jour non. Il n'y a pas de règle, je n'ai pas de règle. Je me pose la question le matin, est-ce que j'ai faim? Si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Parfois, je peux avoir faim un peu plus tard dans la matinée. L'avantage, c'est que je travaille à domicile, donc entre deux rendez-vous, j'ai parfois la possibilité de manger si j'en ai envie à ce moment-là, si j'ai faim à ce moment-là. Donc, comme je vous l'ai dit, ce rythme, il n'est surtout pas donc définitif hein, et gravé dans le marbre. Il va s'adapter chaque jour en fonction de mes réels besoins. Et bien entendu, si je n'ai pas faim le soir, je vais me mettre à table avec mon compagnon, mais je ne vais pas manger. Mon repas à ne jamais sauter. Ben, je n'en ai pas réellement. Je pourrais revenir sur le repas du soir, mais donc comme je vous l'ai dit juste un peu avant, si je n'ai pas faim, car par exemple, j'ai eu une prise alimentaire en fin de journée en étant invitée par exemple pour un goûter, alors je vais sauter le repas du soir si je n'ai pas faim, à condition que je n'ai pas faim. Ce travail sur votre rythme alimentaire, le respect de vos besoins, c'est un travail que je vous propose dans mes accompagnements personnalisés. C'est un travail qui, à mon sens, est important. C'est important de sortir
de prendre conscience de ses conditionnements, de sortir de ses conditionnements pour arriver à respecter ses réels besoins. Et c'est en respectant ses réels besoins qu'on arrive à maigrir durablement. C'est une pièce du puzzle qui nous permet de maigrir durablement. Donc les questions que j'ai envie de vous poser avant de conclure, c'est avant un repas, avant toute prise alimentaire, avez-vous faim et avez-vous envie de manger? C'est véritablement les deux questions à vous poser. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince Alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.